il a chargé le 31 décembre. L'armateur est français, mais il est affrété par une société coréenne. Donc, ce sont les Coréens qui travaillent avec ce navire actuellement. Et il bat pavillon luxembourgeois. Bon, le bateau a été bel et bien détourné, mais parti aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire c'est une bande armée ou bien de... Enfin, on ne peut pas vous le dire. Sans être opérationnel en mer,